Tu vois, si tu n'as pas d'argent, pas de motivation, mais tu n'as pas envie de faire souffrir les animaux, tu es au bon endroit. Le sandwich. Le sandwich. Le sandwich. Le sandwich. Le sandwich et la mayonnaise. Vous avez besoin d'un saladier, d'un fouet, d'huile de colza, de moutarde, de lait de soja, de curry, de cumin, de poivre et de sel. Du coup, c'est hyper simple. Vous prenez la moutarde, tu prends une grosse cuillerée, tu sais, comme ça, voilà. Voilà. Tu vois. Ok. Ensuite, le lait de soja. Tu ouvres, tu fais hop, comme ça, là, à peu près. Voilà, en gros, comme ça. Tu vois, genre, faut pas trop se faire chier, en fait. Le concept, c'est vraiment genre, tu mets tout au pif, et de toute façon, au final, c'est bon, en fait. C'est à peu près tout le temps comme ça que ça marche. Ensuite, par contre, là, c'est très important. Tu prends l'huile de colza, tu vois. L'huile de colza, parce que c'est riche en oméga 3 et que c'est les trucs qu'il y a dans les œufs quand t'es pas vegan. Et en fait, tu l'ajoutes progressivement, petit à petit, pendant que tu fais le fouet. Bon, par contre, vu que c'est extrêmement long, en fait, bah, je vais tout laisser. Et donc voilà, donc tu rajoutes de l'huile et tu fouettes jusqu'à temps que ça ressemble à quelque chose en fait. Et faut vraiment pas hésiter à en mettre plein. À en mettre plein de l'huile. Putain, ça fait mal au bras. Ok, donc au bout d'un moment, en fait, ça commençait à avoir une petite texture bien sympa, tu vois. Et là, bah en fait, c'est cool, mais ça a pas goût de mayonnaise. Du coup, pour que ça ait goût de mayonnaise, en fait, c'est extrêmement simple. Vous prenez du sel, vous en mettez un peu, tu vois. Après, tu prends du poivre, t'en mets un peu aussi, tu vois. Après, tu prends du cumin, t'en mets un peu. Bon, là, j'en ai mis beaucoup, mais ça marche aussi. Et après, tu prends du curry. Et là, par contre, t'en mets plein. Genre, t'hésites pas à bien forcer sur le curry parce que c'est ça qui fait vraiment le bon goût. Et si t'aimes pas le curry, bah. Dommage. Et après, tu mélanges tout ça. Tu mélanges. En fait, il s'avère que la mayo était pas du tout faite. Du coup, on a rajouté pas mal de lait de soja. Genre, si vous voyez que la mayo, elle. Genre, elle se fait pas, ça reste que des petits grumeaux pleins d'huile. N'hésitez pas à rajouter du lait de soja en fait. Et comme ça, ça fait que la mayo. Elle ressemble plus à vraiment de la mayo, tu vois. Là maintenant, là, elle est hyper faite. Alors, elle est toute. Tu vois. Voilà. Donc là maintenant, vous savez comment faire une mayonnaise vegan. Et c'est super utile, par exemple, pour faire à manger avec. Du coup, on sait faire de la mayo. Et ben, vous pouvez faire un sandwich qu'on appelle le sandwich du gros schlag. Qui coûte rien du tout à faire, mais qui est hyper consistant. Et avec lequel tu peux te nourrir pendant de longues heures où t'as plus faim après, tu vois. C'est plutôt sympa, tu vois, concrètement. J'espère en montant hein, quand même. Dedans, vous rajoutez du tofu. Tu vois, genre ce tofu là, c'est genre ça coûte 1,50€, c'est un truc acheté dans un magasin asiat. Je sais pas quel asiat, donc je dis pas. Donc t'écrases ça avec une fourchette, tu vois. Et tu rajoutes genre. Après, tu prends du pain et puis salade tomate oignon, chef. Du coup, tu prends le tofu. Et voilà, c'était dur. Ok, après tu as pris le tofu, tu l'as mis dedans, tu l'écrases. Tu sais, tu vraiment, tu n'hésites pas à y aller, genre vénère, tu vois. Et tu mélanges. Ok, ne prenez pas un fouet pour le faire, prenez une fourchette. Et je mélange. Focus mic, vont d'un droit, focus mic, faut que je mange. Tu rajoutes du ketchup, ensuite tu fais, tu mets la bonne grosse base mayo tofu, et après, hop, tomate, épices, salade et oignons, hop, comme ça, là, bien bissère, tu vois, et après tu fermes tout ça, et là c'est le bon sandwich vegan, et oui. Plein de protéines non carnées.
Moi, du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez bien. Si la clé, si vous avez trouvé que c'est nul. Abonnez-vous. Abonnez-vous, je rends.